Rami Tizier, il y a Auxerre, je connais Siriki au milieu, devant cette équipe. Il a 17 poumons dans la poitrine, il coupe partout. C'est pas terminé. Silué. Ce ballon avec Aboulet Sanogo. Bitizier qui ressort, c'est un cadeau royal. On va faire des entours, nous pas. Ouais, c'est clair que c'est toujours eux, tu as le dernier mot, les arbitres. Konaté, Konaté, au centre de Konaté Abdraman. À la retombée, c'est un décachement. Côté sol FC d'Abobo. Dana qui s'est appuyé sur Aboulay Sanogo. On revient pour remettre dans le paquet pour Bitizier. Diagouri. Bonjour sur Wayou Constant. Wayou. De l'autre côté, il y a Jenny. Attention à cet transversal. Il a vite compris. Il a compris, il y avait de l'idée. Maintenant, l'exécution laisse à désirer parce qu'un ballon comme ça, il faut chercher la hauteur. À 13 points. Oui. Et déjà, on peut faire les calculs. Classé 10e. Elle pourrait se retrouver un peu plus devant. Classé 10e. Elle pourrait se retrouver. Elle va camper, hein. Elle va camper. Derrière le club d'Agamé. Derrière le Stella. Donc, Bali trouve Obite Yannick qui va garder le ballon qui a perdu. Avec notamment une ruche Kofi. Oh. Et un autre ballon perdu. Cette fois-ci, comme dirait le tout ça pour ça. Franck Amosioan. Carlos, oui. Ça c'est le bon technicien qui vient d'analyser là, techniquement toute la gestion. Vous vous souvenez de comment on l'appelait? Romario. Bon voilà, ça résume tout. Parce que Romario, le Brésilien, il était, en plus d'être rapide, il était doué techniquement. Ouais, c'est clair. Ah, Romario, c'était... Bitizier. Bitizier Jean. Aux prises avec Bamba Latif. On va revenir avec... Attention, c'est le 16e but. Le 16e but encaissé maintenant. 16e but encaissé aujourd'hui. Et ça fait beaucoup hein, pour cette équipe-là de l'Asie. Voici encore Tiagouri avec 4 minutes. Attention, il risque d'avoir deux ballons sur le terrain. Ouais. Deux ballons sur le terrain. Monsieur Roumak, pour l'instant, n'a pas les yeux rivés sur le ballon qui lui est vivant. Sur de la rencontre. Progressivement, cette formation est montée en puissance. Ouais. Et c'est à juste titre qu'elle l'emporte. Gigi. Alors, il faut maintenant garder le ballon et permettre à sa défense de remonter. Bitizier. Bitizier Jean. Ah, ils sont deux, il y a Obité. La frappe! Pas mauvais du tout, c'était ouais, pas mauvais. La frappe de. De nouvel entrant. Oui, Bitizier Jean. Bitizier Jean. Il frappe lourde. Numéro 21. Il frappe très très lourde, vous voyez un peu. Il fait boum, mais malheureusement, ça passe carrément derrière. Nick Dago Obité. Je trouve que l'équipe de l'Asie d'Abangourou joue finalement très bas. Serge Yao. Dégagement de la tête de... Attention, attention, Zinon Kipré. Oh, c'est timide comme frappe, contré par un défenseur central du FC San Pedro. On récupère, on va tenter une frappe de loin avec un rebond. Ouais, on va essayer d'expliquer. Techniquement, on va dire c'est bien joué. Mais... Deguilabogui, Roméo Koulibaly et moi-même, n'arrêtons de le répéter. Et là, sur ce coup franc, on a vu que c'est un exercice qui a été... Sans problème pour Ebenezer Togba. Se dégager comme on peut, côté Asie. La JCAT, et c'est lui qui permet donc à l'Asie d'Abengourou de, pour l'instant, mener au score 2-1. Et comme Martin Koufran remarque, qu'on est... Siriki, gardé par Ebenezer Togba. Oui, Patrick, ils tentent tout, les joueurs de l'Asie, ils tentent tout, ils sont en confiance, ils marquent un but. Le jeu complètement différent sur l'Asie d'Abangourou qu'on a connu lors des premiers matchs. C'était physique. Aujourd'hui, l'Asie joue avec beaucoup plus de finesse et essaie de construire son jeu.
plus de ballons. L'Asie d'Abengourou maintenant qui essaie de déborder. Il va commettre le coup franc pour siluer Zana. Au ballon, mais avec trop d'intensité dans son geste. Et souvent, on prend les cartons juste parce qu'il y a un peu trop d'intensité. Ouais, c'est clair. Naounou était effectivement en hors-jeu. Ouais, largement, largement. Évariste derrière Junior, la défense. Ouais. C'est bien, bien arbitré par le deuxième assistant qui a levé son premier but dans ce championnat. Allez, ça repart. Donc 1-0 depuis la 57e minute. L'équipe visiteuse pour l'instant mène au score au stade Robert Champreau. But signé Bamba Latif, l'ancien de la SEC Mimosa. Et on lise